tout y a walé, c'est bien toujours été. C'est bien toujours été. Je dis à Walé, c'est bien toujours été. C'est bien toujours été. Je dis à Walé, c'est bien toujours été.
Jouti a wale, Zeb Diab toujou rete. Jouti a wale, Zeb Diab toujou rete. Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. Tu es parti en me laissant bien plus qu'une immense blessure. Que vais-je faire maintenant de toutes ces journées si dures? Mais tu me pousses, je le sens, inventer ma vie future pour aller encore de l'avant. Je ferai de mon mieux, je te l'assure. Il y aura toujours une lampe qui brille, il y aura toujours une lampe allumée, il y aura toujours une lampe qui brille, il y aura toujours une lampe allumée. Ouais, ok. Ouais, bien allé. Ouais, nous consacrer. Tout devant toi. Tout le monde. Okay. Si mon Dieu ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne.
Je t'appartiens quand même. Oh, reviens si tu peux, si tu veux. Enfuis vers un ailleurs, tu as lâché la corde, trop inapte au bonheur, au bruit et aux discordes. Mais pour moi, ce matin, tout le reste est dérisoire. Les remords, les chagrins déchirent mon destin et hantent ma mémoire. Mais je t'entends me dire, ne pleure pas si tu m'aimes. Avec ton grand sourire, tu ne cesses de me dire, je t'appartiens quand même. Adieu, adieu. Quel âge a un enfant quand ses yeux sont fermés? Tu avais 17 ans, tu as l'éternité. Un seul être est absent, mais rien n'est dépeuplé. Un grand amour m'attend, il a l'éternité. Adieu, adieu. Prétendre que tu n'es plus, c'est se renier soi-même. La preuve à mon insu, tu as écrit ce poème. Et pardon si j'envoie cette lettre à l'absente. Je voudrais tant qu'il voie, je voudrais tant qu'il croie la flamme encore vivante. Car je t'entends me dire, ne pleure pas si tu m'aimes. Avec ton grand sourire, tu ne cesses de me dire, je t'appartiens quand même. Oh, adieu, adieu. Puisque c'est près de Dieu que nos vies se rejoignent.
toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits, la nourriture pour la route, tu peux l'offrir, tu l'as promis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Je viens vers toi le cœur paisible, quand tout renaît, quand tout finit, avec mes désirs impossibles, je viens vers toi, tel que je suis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Thank you.
tu demeures avec nous. Pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas vers l'inconnu, car tu es seule qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Notre cœur,
nous, Marie a mieux prié. Puisqu'aimer peut changer notre histoire, aide-nous à nous réconcilier. Dans le ciel, nous avons. Aide-nous à nous abandonner. Puisqu'aimer, c'est vivre en sa présence. Aide-nous, Marie, à le trouver. Dans le ciel, nous avons une mère. Elle veille et surtout. Bon Dieu, grand maître là, bon Dieu, papa, nous, pour recevoir dans l'église liée à jour baptême. Il était accepté ou dans le peuple sacré liée. C'est avec même bon que ça, vous pouvez bras le bas aujourd'hui, pour recevoir dans le posé, pour le faire entrer dans le pays côté du roi, pour tout le temps qui va du temps. D'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits, la nourriture pour la route, tu peux l'offrir, tu l'as promis. Je viens vers toi les mains ouvertes avec ma faim. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus.
dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence. Tu étais là comme un ami. Je viens vers toi les mains ouvertes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Tes chers membres de la famille éplorée, venout, mimose, ivrose, message depuis les États-Unis. Très chère Madame Michelet, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, chers amis de Michelet, religieuses et religieux, chers membres de la chorale, frères et sœurs bien-aimés. L'événement qui nous rassemble ce matin dans cette enceinte, c'est sans nul doute le départ pour l'au-delà de notre bien-aimé frère Louis Michelet Émile. Nous ne sommes pas là pour célébrer sa mort parce que tous nous croyons au Christ. Nous savons
avec la résurrection du Christ, la mort ne détruit pas la vie. C'est la raison pour laquelle nous allons célébrer la vie de Otio. Préparons-nous de tout cœur à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et ensemble, demandons au Seigneur de lui pardonner toutes les fautes, toutes les erreurs qu'il a commises pendant son passage sur cette terre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ton serviteur, Louis-Michelet Émile, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job, chapitre 19, les versets 25 à 29. Je sais, moi, que mon défenseur est vivant, que lui, le dernier, se lèvera sur la poussière. Après mon éveil, il me dressera près de lui et de ma chair, je verrai Dieu. Celui que je verrai sera pour moi. Celui que mes yeux regarderont ne sera pas un étranger. Et mes reins en moi se consument. Lorsque vous dites, comment l'accabler? Quel prétexte trouverons-nous en lui? Craignez-vous vous-même l'épée? Car la colère s'enflammera contre les fautes. Et vous saurez qu'il y a un jugement. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est
Seigneur est le protecteur de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur m'abrite en son amour. Quand les jours de malheur s'en viennent, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, le Seigneur lui me je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Oui, je le crois et je l'espère. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon là avec nous tous. Mais bonne nouvelle, Jésus-Christ, d'après Matthieu qui saint. Chapitre 25. Prends dans verset 31 pour y aller dans verset 46. Jésus dit baptisolio, le petit monde nan même a vini ak bel teli, ensemble ak tout messager bon Dieu avèl tout, la chita nan fauteuil chef li. Tout peuple va sembler devant le sa, la séparé yon ak lot, tan kou yon gardien séparé mouton yon bo, kabrit yon lot bo. La fè mouton yo kampe à droite li, kabrit yo même à gauche li. Après ça, wa va di sa ki à droite li yo. Nou même moun papa mbeni yo, vin pran héritage pays wa ki te paré pour nous depuis commencement terre. Mwen te grand goût, nou ban manje. Mwen te soif, nou ban boye. Nous te moun vini, nous recevoam. Nous te toutouni, nous bamrad. Nous te malade, nous te prankam. Nous te nan prison, nous vinouem. Moun de bien eux-mêmes va répondre li. Grand maître, qui lè nous te wè au grand goût pour nous te bon manger? Qui lè nous te wè au soif pour nous te bon boire? Côté nous te voir au monde vini pour nous te recevoir ou bien tout tourner pour nous te borade. Côté nous te voir malade ou bien en prison
pour nous déposer bon côté. Ou roi va répondre, en vérité, ma sureine, chaque fois nous te fait ça pour yon nan pipiti nan frèm yo, c'est pour moi nous te fait le. Ça qui à gauche li yo même, roi va dire yo, soti sou moi, bande madichon, al nan du feu qui pa bjan mouria. Du feu yo te pari pour diabla ak message li yo. N'te grand goût, non pa ban manger. N'te soif, non pa ban boire. M'te moun vini, non pas recevoir. M'te toutonné, non pas ban m'rade. M'te malade, m'te nan prison, non pas pran kam. Yo même a répondu wa. Grand maître, kote nou te wa ou grand goût ou bien soif, ou bien moun vini, ou bien toutonné, ou bien malade, ou bien nan prison, pour non pas te occupé ou. Li même la répondu yo. En vérité, m'assurez-nous, chaque fois nous pas te fait ça pour yon nan pipiti sa yo, c'est pour moi nous pas te fait li. Après ça, si la yo va aller nan punition ki pa jan finir, mais mon de bien yo même va aller nan la vie ki pa jan finir. Frère avec ce mio, on nous fait louange ak compliment pour parole bon Dieu grand maître là. Révérend Père Wok, avec Emile Curé, avec Vicaire Pawasla, tout frère Pemio, Madame Veuve Otio, tout soeur avec frère Otio, Mami Vévé, Tati Mose, Tati Vrose, Missage, chers soeurs, chers frères, qui là, tous les amis qui sautent en pile côté, vous venez supporter ma famille Emilio qui est en deuil, frère avec ce mio. Jodia, dans le temps la peine, nous rassembler pour nous la prière, bon Dieu grand maître là, bon côté corps. Frère Noan, Otio, nous venons demander, bon Dieu, yon la foi solide. Yon la foi qui va permettre nous comprendre, bien comprendre, toute bagaille pas finie avec la mort. Yon la foi qui va aider nous comprendre, frère avec ce mieux, dans la mort, c'est la vie physique là qui finit définitivement. Et puis, la vie qui n'a jamais fini à commencer. Donc, je dis à n'a célébré départ au Tio, mais dans le ciel là, il y a célébré arrivée au Tio. Au Tio fini sous terre, mais dans le ciel là, la ville fin commencer. Dans la Bible, la parabole grain blé explique non vérité ça. Jean chapitre 12, verset 24 à 25. Nous lit, la mort, c'est chemin la vie. C'est dans la mort, la vie a sauté. Grain blé tombé dans terre. Grain duri, on nous dit grain duri parce que nous pas planté blé boy site dans Tobek. Dans Tobek, c'est grain duri nous planté. Grain duri a tombé dans ma caïla. S'il pas mouri, s'il pas transformé,
l'a prêté seul pour contre lui. Mais s'il mourit, s'il transformé, l'a donné en pile. La vie, c'est dans la mort, l'y sorti. Mon qui peut mourir pour Christ là, l'a perdu la ville. Mais mon qui pas peut mourir pour Christ là, l'a kembe la ville pour la vie qui va jamais finir. Alors, frère avec ce mieux, comme chrétien, nous devons comprendre à travers la parabole ça que la vie nous, la vie partisan Jésus-Christ, la vie ami bon Dieu, à travers la mort, c'est un bagage qui est assuré. Donc, la mort nous, comme chrétien, puisque la vie nous, le nous mourir est assuré, la mort nous, comme chrétien, la mort au Dieu gagne un sens positif. Parce que Jésus ben nous yo koken chen assurance. Moun ki mouri nan grâce li, même Jean avec Otio. Moun ki mouri nan bral, y ap vive avec li tout. Saint Paul nan lettre écrit, nan deuxième lettre écrit Timothée, li explique nous ça bien clair. 2 Timothée chapitre 2 verset 11. Si nous mouri nan Christ là, n'a pas levé dans Christ là. Si nous mourons avec le Christ, nous vivrons. Et puis loin, dans l'être écrit mon juif, nous jouons un passage qui mettait nos plus clair sur causer ça toujours. Hébreux, chapitre 11, verset 4, qui ça, il dit nous, grâce à la foi, li, grâce à confiance li, même s'il mourit, l'a parlé toujours. C'est une vérité fondamentale pour avec ce mieux. Grâce à la foi au Dieu, t'es gagné dans grand maître là. Grâce à confiance, ni t'es gagné dans grand maître là. Même s'il mourit, l'a vive encore. C'est une vérité pour nous toujours kembe dans la vie, nous, dans la façon de vivre comme chrétien, dans l'agissement, nous, dans le comportement, nous, dans la relation nous, avec bon Dieu et dans la relation nous, tout, avec le prochain. Nous. Donc, frère, avec ce mieux, puisque après la mort, nous pourrons continuer à vivre, bon côté bon Dieu, eh bien, nous-mêmes qui vivons sous terre, nous avons besoin de comprendre la mort. Tant qu'il y a un événement qui baille la vie nos sens. C'est très important pour nous-mêmes comme chrétiens. Nous devons comprendre la mort tant qu'il y a un événement qui baille la vie nos sens. Parce que, à travers la mort, nous allons joindre bon Dieu que nous aimons. Qui est plus belle bagaille, l'on pourra rencontrer un monde qui nous aimons. Qui est plus belle bagaille. Eh bien, c'est ça l'amour, forme avec ce mieux. C'est l'amour qui peut mener nous rencontrer bon Dieu, à vivre avec bon Dieu pour tout temps, lui-même que nous aimons. Lui-même qui aimons nous. C'est ça que fait la Bible a dit nous. L'amour a son bel bagage lié. Même si l'irrité est un mystère. C'est un mystère. Quel que soit niveau, relation au monde avec bon Dieu, quel que soit degré la foi ou non bon Dieu, la mort a été un mystère. Et Saint Paul, dans la lettre d'écrit mon Philippio, lui dit nous exactement, frère avec ce mieux, qui ça la mort chrétienne. Philippiens, chapitre 1, verset 21. Lui dit nous exactement. Qui ça la mort voyez. Saint Paul dit, la mort c'est un gain. La mort c'est une victoire. La vie c'est le Christ, son bel bagaille. La mort son assurance. La mort, nous sommes capables de dire son richesse pour chrétiens, oui. La mort son victoire, son gain, son richesse pour qui ça?
parce que lui permet nous à contempler visage bon Dieu. Lui permet nous à voir bon Dieu. Mais qui question sont questions capables poser tout. Dans moi son victoire. Nous tous chrétiens nous aimons bon Dieu en pile. Mais une question venue dans tête moi. Qui est chrétien qui t'a aimé gain victoire ça. Dans moi. Qu'est-ce qui t'a aimé gain peut-être lui. Qui est chrétien qui t'a aimé victoire ça vient la caille chaque jour. Dans moi. Et c'est une question qui vient nous toutes nous qu'à essayer poser question ça tout. Et nous mettre chercher réponse nous qu'à faire toute vie nous pas capable répondre ni tout. Même si nous croyons dans mon Dieu, nous aimons mon Dieu en pile. Et nous passons journée avec Jésus. Nous aimons passer journée avec Jésus. Nous aimons passer journée avec mon Dieu. Mais qui laisse dans nous qui aime passer journée ça avec mon Dieu? Et qui aime à jeune mon Dieu rapide? Alors c'est une question qui vient. Juste pour essayer de nous prendre conscience de faiblesse nous tous comme monde. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes monde. Il y a une faiblesse. Non, non. Parfois, nous ne prenons pas de temps pour nous découvrir ça. Orgueil envahit que nous, qui ne laisse pas nous comprendre que nous sommes monde, nous avons une faiblesse. Même si nous avons une relation avec bon Dieu, même si nous sommes forts dans bon Dieu, mais nous toujours restons monde. Alors, parole de la Bible dit nous, la mort. Ses conséquences péché. Romains chapitre 6, verset 23. C'est Saint Paul qui dit nous ça. La mort, ses conséquences péché. Fruit, travail, péché, c'est la mort. Mais, cadeau, faveur, bon Dieu, cadeau, la grâce, bon Dieu, c'est la vie qui n'a jamais fini. Liban nous dans Jésus-Christ comme être là. Donc, fois avec ce mur, Adam mène nous dans la mort, péché Adam. Mais la mort a levé bien vivant Christ là, mène nous dans la vie qui pas jamais finir. Qui ça, ça fait nous comprendre à travers la mort au Tchoua. Il y a deux bagailles, la mort au Tchoua. Fait nous comprendre maintenant, nous-mêmes qui encore vivants. Premier bagage, la mort, au-dessus, fait nous comprendre son vérité, que en pile dans nous, parfois, nous oublions. Une vérité que la Bible a dit non. Et vérité, ça, bon, nos jeunes, c'est toujours dans la lettre, il y a écrit mon juif, Hébreux chapitre 11, verset 13 à 14. C'est la première vérité que la mort, au-dessus, fait nous songer. Li fait nous songer, nous tous, nous sommes moun vini, nous sommes passagers sous terre. Et premier bagaille, il fait nous songer, mais en pile dans nous, souvent oublier ça. Nous tous qui sous terre, nous sommes moun vini. Et c'est passagers nous y puisque nous n'avons pas de caille qui l'a pour tout temps sous terre, nous prenons la caille nous, côté nous prenons pour tout temps. Qui c'est dans le ciel là. C'est là la Bible a dit. Nous-mêmes, comme chrétiens, nous pas citoyens de terre, c'est citoyens ciel là. Mais il faut nous bien comprendre ça tout. Oui. Et bon Dieu, mettez-nous pour nous vivre à terre. Il faut nous vivre totalement la vie, nous, comme monde, comme chrétiens sous terre. Après, regardons sous terre et puis, genoux en l'air et puis, nous vivons en l'air, nous sous terre et puis, nous vivons dans le ciel là. Non, c'est pas ça. Non. Il y a plus de monde qui mal comprend ça. Il y a sous terre et puis, il connaît dans le ciel là. Il y a Bible. Mais bon Dieu, pas ta besoin de voir nous sous terre du tout. Bon Dieu, mettez-nous sous terre pour nous vivre complètement la vie nous comme petite lit. Pour nous remplir mission nous sous terre pendant la préparer ciel nous. Non, rien, mais c'est ça que fait. Pendant nous sous terre, comme monde, comme chrétien, comme petite bon Dieu, il faut nous soigner relation nous, yon à l'autre. Pas seulement, il y a des gens qui prennent tout le temps à chercher soigner relation avec bon Dieu. Et puis, relation avec le monde paralysé. En plus, le monde fait faute ça. En plus, le chrétien fait faute ça. Ce qui est intéressant pour lui, c'est Jésus. Depuis là, Jésus, il n'y a pas de monde côté gaz pour lui. Eh bien, son goût est relié. Non seulement, il faut une relation soignée avec bon Dieu, mais le monde qui est bon côté nous en tout, il faut nous avoir une bonne relation avec lui.
Parce que c'est un cadeau, bon Dieu, bah où pour vivre. C'est très important, faut avec ce mieux. Monde qui bon côté ou là, prochain, son cadeau que bon Dieu bah où. Son cadeau que bon Dieu bah y communauté ya. Faut nous gagner de très bonnes relations avec lui, même si il y a une petite différence. D'où est-ce qu'il y a une différence là? Mais il faut avoir une bonne relation avec l'autre. Il faut nous entrer plus fond dans une bonne genre relation avec bon Dieu. Il faut nous entrer plus fond tout dans une bonne genre relation avec prochain nous. La Bible a dit ça. Relation nous avec bon Dieu, avec prochain nous. Les deux chita sous vérité. Et pas de chita sous menti. Chrétien qui a baillé menti. Pour tout petit bagaille, menti. Relation nous avec bon Dieu. Relation nous avec prochain nous, les deux chita sous vérité, les deux chita sous fidélité, les deux chita sous sincérité, sous honnêteté. Faut avec ce mieux. Chrétien son monde qui vrai, un chrétien son monde qui fidèle, ak bon Dieu, ak tête li, ak prochain. Un chrétien son monde qui sincère, un chrétien son monde qui honnête, ak tête li. Ak bon Dieu, ak prochain. Mais pinga, nous continuons à vivre dans l'erreur. Depuis nous avons bon Dieu, nous n'avons pas besoin de porter gaz pour nous. Alors Saint Jean, dans la première lettre, il écrit, il dit, on causait sur ça. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Saint Jean parlait parfois pour les gens qui sont seulement attachés à bon Dieu, et puis le prochain a souffri, ça ne va pas dire rien. Ou chien en misère, ça va dire, mais yo croyez dans Jésus, yo y a petit Jésus, yo en bas bras, yo y a marché, mais moun nan souffrance l'autre là, problème l'autre là, pas dire rien. Eh bien, Saint Jean, il dit quelques bagages sur ça, dans un verset, dans la première lettre, il y a 1 Jean chapitre 4, verset 20, qui ça Saint Jean dit. Il dit, si yon moun dit, li remen bon Dieu, et puis, li rayi prochain. Si yon moun di l'ap servi bon Dieu et puis li pa fèl disposé et disponible pour le servi prochain, moun sa son blofelier. Moun sa son menteur. Et li continue pour le dire, li totalement impossible pour yon moun remen bon Dieu li pa wè a et puis pour le rayi l'ennemi que le ka wè a. Li totalement impossible. Pour servir bon Dieu, ou pas ouya, et puis pour pas servir prochain, que ou ka ouya. Sans, non pas réduire bon Dieu à la dimension humaine, bon Dieu était salié à l'insondable, l'intouchable. Mais Saint Jean veut faire nous comprendre. C'est dans remen prochain, nous yo, nous capables de river remen bon Dieu tout bon vrai. C'est dans servir prochain, nous yo, nous capables de river servir bon Dieu tout bon vrai. Parce que bon Dieu, ban nou yon cadeau qui c'est prochain. Bon Dieu, ban nou yon cadeau. C'est pas un hasard qui fait nous gagner l'autre là-bas côté nous. C'est pour nous remel, c'est pour nous contempler visage bon Dieu à travers visage lui. C'est pour nous remel bon Dieu dans remel. C'est pour nous servir bon Dieu dans servir lui. Alors c'est première vérité que la mort au Tchoua rappelé nous. Deuxième vérité, la mort au Tchoua rappelé nous. Les faits nous comprennent, frère, avec ce mieux. Dans le ciel là, dans le royaume ciel là, que la Bible a toujours parlé de nous, c'est cœur qui comptait. C'est cœur qui comptait. Ça veut dire que c'est l'amour qui comptait. Ce n'est pas pouvoir qui comptait. Ce n'est pas richesse qui comptait. Ce n'est pas l'argent qui comptait. Ce n'est pas bien qui comptait. Ce n'est pas autorité qui comptait, mais c'est cœur. C'est l'amour qui est dans le cœur. C'est ça qui comptait pour bon Dieu. Mais très souvent, courir derrière pouvoir, courir derrière autorité, courir derrière l'argent, bien, richesse, pas bon le temps pour nous prendre soin prochain nous, pour nous manifester l'amour pour prochain nous, pour nous manifester miséricorde, que sensible bon Dieu a pour prochain nous. Eh bien, je dis à l'amour au Dieu à faire nous songer ça. Bien, on yo, pas maintenant aucun côté. L'argent yo pas maintenant aucun côté, richesse ou yo, pouvoir ou yo pas maintenant aucun côté. Mais si nous servir avec yo, gain aussi oui, faut avec ça. Si nous servir avec yo pour faire gloire à bon Dieu éclater, il a mené nous dans le ciel là. C'est très important. Bien yo,
richesse yo, l'argent yo, pouvoir yo, autorité yo, si nous fait gloire bon Dieu éclater là-dedans yo, il y a mené nous ouais bon Dieu. C'est ça nous lit dans Jacques, Jacques chapitre 2 verset 14 à 26. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est vaine. Servir avec ça, bon Dieu, ben nous, pour nous faire programme salvifique, bon Dieu, grandir sous terre. Alors, frère, avec ce mio, nous-mêmes qui venons célébrer la vie, autour, parce que autour, c'est un nègre qui remet la vie, et c'est son sang, bon Dieu, un nègre qui remet l'église. Le dimanche, là, si au cas, je n'ai trois monde qui arrivent avant autour, l'église, là, on va bien en pile. Peut-être, madame Willy, quand il est arrivé en bas autour. Mais on va bien en pile qui arrive en bas autour tellement son nez qui était attaché avec service, bon Dieu. Son nez qui était attaché avec l'église. Son nez qui était remis mon tour, parce que moi-même personnellement, son nez qui était remis en pile. Et il n'y a jamais passé un mois pour ne pas débarquer à Niquet, pour lui faire une journée avec moi. Nous était vraiment attaché. Mais on a célébré la vie autour. On a célébré la vie autour. Et pendant qu'on a célébré la vie autour, et Saint-Paul, il fait un petit parler nous sur ce cheminement tout que nous avons fait pour nous aller côté au-dessus, aller. Bon côté, bon Dieu. Parce que nous n'avons pas pile d'autre sur ça, vous dites croyez dans bon Dieu. Nous sommes sûrs que bon Dieu prend avec lui dans le royaume qui est potentiel, là, nous n'avons pas d'autre sur ça. C'est ça que nous disons, nous avons célébré la vie. Mais nous avons un cheminement, nous-mêmes qui sommes encore vivants, nous avons fait pour nous aller dans le ciel, là, cheminement ça. La Bible a présenté nous sur trois étapes que nous sommes capables de jouer dans la première lettre Paul écrit, mon Corinthiens, chapitre 15. Verset 23 à 26, première étape là, il est réalisé déjà. C'est la mort avec résurrection Christ là. Jésus est venu, il est mort, levé bien vivant. Et deuxième étape là, c'est tout le monde qui est mort dans grâce Christ là, qui vient pour lever tout, pour récolter ça, il était planté. C'est deuxième étape là, très important. Tout le monde qui est mort, il vient pour lever. Pour récolter ça au décimé. Si vous décimez bien, vous avez récolté bien. Si vous décimez mal, vous avez récolté mal. Sans planter, c'est lui ou récolté. Vous décimez diri, vous avez récolté diri. Vous décimez pitimi, vous avez récolté pitimi. Vous décimez l'amour, vous avez récolté l'amour. Vous décimez raïsab, discord, et bien vous avez récolté raïsab, discord. Sans planter, c'est lui ou après récolter. Et de, troisième étape là, c'est la Bible a dit non, c'est pouvoir, toute force, mal qui a gourmet avec force, bon Dieu, pour aller tomber en bas pied, bon Dieu. Et dernier pouvoir, qui c'est l'amour, qui a gourmet contre bon Dieu, il pour aller tomber en bas pied, bon Dieu, tout. Donc, il y a un jour qui a privé. Bon Dieu pour le faire, pas jamais gagner la mort encore. Nous lisons tout dans Isaïe chapitre 25, verset 8. Gagner un jour qu'a privé. Yahvé Sabao pour le détruire totalement la mort. Et gagner une petite parole tout pour nous-mêmes, famille Emilio, madame Otio, surtout avec petit Otio. Et c'est là Isaïe dit une parole qui est importante pour nous. Bon Dieu pour le sécher de l'eau qui est dans genoux. Et mamie Vévé, tati Mose, tati Vrose, Missage, madame Otio Timonio, Yahvé Sabao pral sécher de l'eau kap coulé dans les yeux nous. Et Jésus ban une parole qui pourrait conforter nous tous dans un moment difficile ça que nous traversons, que nous lisons dans l'évangile Jean, Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Et nous lisons ça, Jésus dit, ah, Jésus dit, le nous dans un moment ça. Si on te rappelle lié bon non parce que nous entendons ça déjà. Le nous dans moment difficile ça côté n'a pleuré, n'a crié pour Otio qui t'est remé nous, qui t'est attaché avec nous, Jésus dit non. Pas bouleverser cœur nous, pour ça nous pas besoin crier comme ça, j'en a crié, on besoin crier trop. Parce que il dit nous croyons, nous mettre croire dans lui, croire dans bon Dieu. C'est Jésus qui a parlé avec nous comme ça au matin. Pas bouleverser cœur nous. Pas tracasser l'esprit non. Pas fatiguer tête non pour Otio calé. Croyez dans bon Dieu, papa. Croyez dans moi tout. Et Jésus continue pour le dire. La caille, papa, il y a un pile côté pour mon rete.
son place m'bral préparer pour nous. Le ma fin paré place là pour nous. M'ap tourner vin chercher nous. Pour qui ça? Parce que côté mia, c'est là pour servante moyen et tout. Côté mia, c'est là pour serviteur nan et tout. C'est ça que fait Jésus dit nous pas crier. Parce que côté Jésus ya, dans la foi nous ak dans la foi autre chose gagné dans bon Dieu ya, nous croyons que autre chose là tout. Côté Jésus ya, autre avec Jésus. Et nous-mêmes qui là comme chrétiens, c'est pour nous continuer qui la foi nous dans bon Dieu. C'est pour nous continuer faire bon Dieu confiance. Continuer avancer sur chemin que bon Dieu tracé pour nous dans Bible là, dans l'église là. Continuer avancer avec la foi. Comme ça le bon Dieu va relever nous, même Jean avec autre, nous va parer pour nous recevoir place que il serré pour tout le monde qui te fait volonté lui, qui c'est place qui chita dans bonheur que potentiel là, qui c'est la vie qui va jamais finir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, après avoir écouté la parole de Dieu, nous prenons pour nous tendre Jean Pécasséus tapé de nous vivre un moment difficile ça, à partage qu'il a fait pour nous, à nous mettre nous debout et pour nous prier avec confiance. Bon Dieu Papa qui est tout puissant, qui ressuscité Jésus parmi moi, qui s'est grain petite lia. À nous chanter après chaque intention. Notre ami Michelet n'est plus visiblement parmi nous. Par l'eau du baptême, Dieu lui a fait don de sa vie. Qu'il soit maintenant auprès de lui, par la grâce de sa miséricorde, et lui accorde le repos éternel. Seigneur, nous te prions. Grand-mère, n'a pas la prière pour famille Émile qui n'a pas la peine aujourd'hui. Pour merveille présence sous dans mi temps yo l'ouvrir ou chemin l'espoir et puis fait yo arriver que mes femmes dans mi temps souffrance yo. C'est pour tout geste sympathique et amitié que yo recevoir servi comme si remé on pour yo chaque. Grand-mère, t'en prie écoutez voix nous. Quelque content Michelet est consumé dans mi temps nous pour façon il était connié avec tout le monde qui vit bon côté dans bon temps tant pour dans mauvais temps pour toute souffrance et difficulté il était connu rencontré grand maître t'en prie gain pitié. Seigneur, en toi est la source de la vie.
Accorde à tous les membres de nos familles de vivre avec toi dans le bonheur sans fin. Toi qui nous donnes de continuer notre pèlerinage terrestre, aide-nous à te connaître et à t'aimer davantage. Seigneur, nous t'en prions. Prions encore le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde, exauce la prière de ton peuple par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos souffrances, Seigneur, que ton serviteur Louis Michelet Émile parvienne à la gloire avec ton Fils à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et à tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a expandi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous approche, nous apporte la consolation.
car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
qu'il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, et l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque, le cardinal Chibille Langlois, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions pour Louis Michelet et Mine. Et dans ta bienveillance, accorde-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le moment tracas, dans le moment souffrance, seule force nous, c'est bon Dieu grand maître là. Seule force nous, c'est la prière. Nous allons unir voix nous. Pour nous la prière, non seulement pour Michelet qui a joué bon Dieu grand maître là, mais pour nous la prière tout, pour tout le monde qui a subi toute qualité vieux, dans le moment. Côté n'a fait célébration ça avec tout que nous à nous dit ensemble papa nous qui dans celle-là c'est pour respecter non c'est pour reconnaître c'est au qui roi c'est pour volonté ou fait sous terre tant qu'on dans celle-là peine nous besoin chaque jour
ben nous li jodi a pardonner ça nous fait tant qu'on nous pardonne moun qui fait nous qui chore pas quitter nous prendre en piège mais délivre nous ak sa ki mal délivre nous de tout mal Seigneur et donne la paix à notre temps soutenu par ta miséricorde nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ notre sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu seulement une parole et je serai béni. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Thank you.
Accorde, Seigneur, à ton serviteur Louis Michelet Émile de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour lui que nous avons célébré le sacrement pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir un instant. Jean nous te dit là, gen frère Michelet qui est États-Unis, qui pas ka rentrer, li gen ti mot, li va le placer. N'a mandé nous pour nous suivre ça via écran projecteur qui gagne. Alors, frère, avec ce mieux, nous excusez-nous auprès de nous-mêmes à cause d'un problème technique. Vidéo n'a pas encore passé. En attendant, nous apprenons l'autre intervention yo, jusqu'à ce que la mise en place soit faite pour la vidéo soit capable de passer. Il vit le Christ, notre espérance. Il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu'il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Il vit et il te veut vivant. Telles sont les premières paroles du pape François dans son exhortation apostolique, le Christ est vivant. Oui, moi, je sais que mon défenseur est vivant, nous dit Job au chapitre
19, verset 25a. Ces paroles sont bien ajustées pour parler de Louis Michelet Émile, dit Otiomil Garçon Baudet. La solennité de l'Octave Pascal, le jeudi 13 avril à 6h AM, Michou est entré dans un sommeil profond et ne nous revient pas. L'arrachement de ton départ trop tôt, je dirais même hâtif, inattendu, nous brise le cœur. Mais c'est aussi important de célébrer la vie. Oui, ta vie dans l'autre vie, car tu aimais la vie et tu donnais la vie aux autres. Louis Michelet Émile est l'aîné d'une famille de 5 enfants, fils de Hermilus Émile et Irania Sander. Il est né le 5 juin 1956 à Soudan, très choyé par Mamita et Papa Lili. Il est devenu le chouchou de la famille. Il a fait ses études primaires à l'école Bois-en-Tonnerre de Torbec et s'est vite orienté vers l'école professionnelle où il a pris la soudure. Très engagé, très qualifié en ce domaine, il a travaillé très dur pour seconder Mamita à la suite du décès de notre cher Papa Lili en 1982. Donc, il a joué un double rôle en termes de responsabilité. Il était fait un petit garçon avant mariage li, qui relait Jean Eberson Émile. Il rencontrait avec Serette Madame Ni dans l'année 1990. Il est marié le 31 décembre 1996. Il a deux petites, Neila Rafi Émile et Sébastien Émile. Autre chose, Madame Ni et petite Lio en pile. Il était fait de voile pour prendre soin de la famille. Éduquer petite Lio. Otiomil, c'est mon tout monde. C'est mon qui blie tête li pour mon ak famille. Li te toujours vle pour tout monde bien. C'est un monde qui simple en pile, qui gagne en pile courage. Li gen yon humour vraiment extraordinaire. Li pa jam bliye premier amitié avec yon moun. Le li te perdu travail li nan APN Port-au-Prince. Li te fait démarche beaucoup de ministre Harry Clinton nan travaux publics pour te mande le travail pour madame ni. De quoi pour être capable de continuer à gérer la famille. Ocho, tu remets le football en pile, pas parler de l'autre équipe que Brésil et Inter de Milan. Tu remets la nature, la mer, avec belles fleurs, surtout fleurs jasmin avec keshat. Li toujours a planté jasmin pour le faire mon cadeau. C'est dans fête ou dans cimetière pour le planter jasmin, li tombé jour mercredi ça. Les soirs Otio te remet vin chita sous galerie. Li relène bon côté sans li pas dit nous rien. Li quitte nous à respirer odeur jasmin. Et puis un petit moment après, li dit
ou pas prend aucun odeur. Moi fait esprit, moi dit m'pas prend odeur non. Il dit amassé. Asse esprit au fait. Ou dit mon pas prendre toujours. Moi dit oui autre, m'prend odeur. Il dit c'est pour ça même moi planter pour les nous chita là pour bon odeur jasmin à monter dans nan nous. Et ça fait me content. Michou toujours a fait nous songer valeur à principe mamita avec papa Lili te bon nous. Autre toujours dit ma sœur ou même c'est pour la prière au métro là et ça au bon fait. Et moi-même moi toujours la prière pour vous. Moi toujours la prière pour toute famille. Otio te gen gros dévotion à Saint Joseph que maman m'te ba nou et en même temps à Notre-Dame du Mont Carmel. Et très souvent, li te kon ale bizoton pour la fête la prière. Le li ici bien bonnet à pied nan matin, li ale à Nike. Là le passé journel avec maman Kamel. Li dim pelan pi bam clé l'église là. Li montre m côté lié pour l'aim besoin vinn fait la prière pour me faire. Moi dit autre comment pelan pi fait ka bo clé l'église là comme ça. Eh bien ma sœur, pour connait autre mille. Mal côté père me présenter me dit me c'est sœur Ivoz et père me c'est frère sœur Ivoz et comme ça père confier me clé a l'elle saute la prière dans mon camel li aller dans calvaire pour continuer faire la prière les nous toutes ensemble dans appel conférence. Nous toujours content pour nous tendre autre qu'à parler avec nous. Li commencer parler mbako wè koto tio a privé. Moi dit autre dis-nous ça wap di an ou pas besoin dit toute parole ma sœur faut toujours faire une mise en contexte. Otio dit nous toujours content parler avec nous frère Semyo nous c'est maman c'est nous même moi gagné moi content ouais nous tout ensemble nous c'est une famille qui unit en pile toujours garder unité ça Otio c'est monde tout monde li remet ti monde en pile li remet bête. Li remen chien, li toujours a pran soin yo. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que son nom soit béni. Avec cette parole de Job, je te dis merci Seigneur de nous avoir donné ce bon frère et bon père, ce bon mari. Sa présence au sein de la famille nous offre une histoire d'amour. Je suis convaincue, nous sommes convaincus que dans ta miséricorde, Seigneur, tu lui donneras une place dans ton paradis. Père Francky, tu es toujours disponible. Merci d'avoir accepté de présider les funérailles de ton cousin Otio. Père Casséus, à toi toute notre gratitude. Ta spontanéité,
Ton message de réconfort et de vie nous touche beaucoup. Sois-en remercié. À tous les prêtres qui ont fait le déplacement, ce grand déplacement, malgré la situation de notre pays, pour nous apporter leur support spirituel, ce geste édifiant est très apprécié. Merci de tout cœur. Au clergé paroissial, merci pour votre disponibilité, votre accueil, vos prières et tous les services rendus pour faciliter la célébration des funérailles de notre frère. Merci à tous les prêtres concélébrants. Vos prières, vos efforts pour être là avec nous en ce jour de joie, puisque Othio entre dans la vie. Que Dieu continue de vous munir de ses grâces, de sa force, pour continuer votre ministère dans l'abandon et la confiance. Merci à la chorale Samba et les musiciens pour votre apport dans la célébration de la veillée et des funérailles. Merci aux sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe, ma communauté. Merci pour vos gestes touchants. Pour votre témoignage, vos prières à l'égard de ma famille. Merci pour votre sens de solidarité. Que la divine providence, qui est notre unique salut et notre seule espérance, vous assure de ses bienfaits. Merci infiniment. Aux religieux et religieuses ici présents, et à toutes ceux et celles qui ont manifesté leur support fraternel en cette douloureuse occasion, merci pour vos prières et votre proximité. Merci spécial à Clarence Éveillard et son équipe pour le service audiovisuel très actif dans la paroisse, permettant à mon frère Missage et les enfants de Othio et tant d'autres personnes et amis de la famille qui sont empêchés de vivre ce dernier moment avec Othio, Othio Mille, garçon Baudet, sur la terre. Merci. Frem ak sèm yo ki la, tout zami Othio, zami famiyan, Odanyo, nèg septan, musicien septan ki la avec nous. Nous pa gen mot pour nous dire nous merci. Priye nou yo ak présence nous. Visite nous yo pour te réconfort pour nous. Et montrez-nous comment Michou, Othio Mille, garçon Baudet, t'es important pour nous chaque. Mami Didit, nous pas gen mot pour ou ces grands sœurs nous. Merci pour ça ou yé pour nous, pour présence ou qui toujours rassure nous. Ou pas négliger sacrifice pour là avec nous. À tout que nous, Mami Didit, nous disons merci. Un merci spécial pour tout le monde qui t'a ramené Michelet, qui t'a mené Michelet à l'hôpital, qui t'a voulu la vie pour lui, médecin et infirmière qui t'a pris soin de lui. Merci en pile. J'ai ça grand pour famille. C'est le bon Dieu qui est capable de récompenser nous.
frère nous remet au tchou. Merci pour moun ou teye dans la famille. Frère, accès au pour frère, accès au ou a toujours été présent dans la vie nous chaque. Li pas facile. Li dû en pile séparation ça. Mais bon Dieu a ban nous force par là. L'a fait la foi nous vinn pidjam pour nous kembe et continuer suivre conseil yo. Espérance nous a grandi chaque jour, même Jean avec pied jasmin ça ou t'a planté ya. Merci à tout que nous pour odeur l'amour ça ou t'a fait nous chaque fois à vivre dans famille. Yon ambiance spéciale qui pas gen pareil. C'est pour mamita ak papa Lili, maman Marie, Saint-Joseph ak tous zami bon Dieu yo recevoir. Otcho, nous comprendre bien chemin la vie a coûte, mais chemin vie éternelle là li long. Va en paix notre bien-aimé frère, dans la demeure de ton Dieu. C'est avec consternation qu'on apprend le départ de mon frère Louis Michelet Émile dit Ocho. On va adresser quelques mots dans l'occasion célébration la vie de Michelet Émile, mon frère, mon grand frère. Non pas moi, c'est message. Émile, pour le monde qui l'a assemblé, qui ne connaît pas. Michelet, je m'apprends une nouvelle là, c'est avec mon cœur qui est déchiré, peiné, et moi j'étais attristé en pile, parce que la nouvelle là venait dans un moment inattendu. Michelet, frère moi, c'était un frère. Au commencement, papa et puis Zami. Nous grandissons en famille de cinq. Michelet, c'est lui-même qui est plus grand et il est parti en premier. Pendant que nous avons grandi, nous allons à l'école ensemble. Nous jouons boule ensemble. Nous jouons mab ensemble. Nous allons à la plage ensemble. Nous faisons tout ça qui bien et bon ensemble. Et nous vivons le respect l'un pour l'autre. Moi-même, ensemble avec Ocho, nous devons vivre de façon côté que l'un est toujours à jouer avec intelligence l'autre. Ocho, nous devons raison pour l'autre, nous devons certificat ensemble avec elle. Et nous devons l'école, il était toujours à protéger. Mais nous venons quitter Kadza, nous venons tourner au papa pour nous. Raison, parce que le papa nous mourit. C'est Ocho qui t'a travaillé avec Vital M. Chamblain. C'est lui-même qui t'a pris la relève, côté qu'il t'a payé l'école pour nous toutes. Après tout le temps, nous venons monter Port-au-Prince. Côté que nous sommes toujours à vivre ensemble, nous habiller ensemble, nous allons dans le programme ensemble, nous jouons quatre ensemble, nous allons à la plage, nous parlons de politique, nous parlons de musique, nous parlons de football. Ça, c'était cette conversation. Nous.
Ocho, c'est un monde qui est très motivé dans le domaine musique. Côté son seul jazz qui existe pour lui, c'est septentrional. L'unique. La question football, Ocho, il y a Brésil et Milan, il va négocier ça. Yo. Et quel que soit côté Ocho, il y a toujours bon assemblée de monde. On pas besoin de demander qui ça a dit, c'est de trois sujets ça a toujours à parler. Ocho, passer toute ville, la côtoyer monde. Et l'un rencontre ensemble avec monde, il est toujours un tempérament qui est jovial, qui attire le monde vers lui-même. C'était un homme qui était très courageux, c'était un homme qui était lucide, c'était un homme qui était compréhensif, dans le sens côté que dans l'interaction ensemble avec le monde, il fait tout ça qui est possible et imaginable pour les rencontrer au monde, pour le monde mettre joindre, on parle de bien-être ou bien au mot de soulagement. C'est comme ça que je suis capable de caractériser Ocho. Ocho parti, côté que, avant de parler, il parlait avec tout le monde chaque jour. Moi-même, j'ai eu une chance quelques heures avant, j'ai parlé ensemble avec elle. Et si je connais cet dernier moment, je dis que je m'aime plus encore. Dans le même sens là, Ocho parti d'une façon qui brusque. Mais ça a fait de tout mon éveil d'esprit. La kay, qui compte moun, kap vive, côté que son instant nouye. C'est ça qui fait l'interrelation ensemble avec moun, nous t'as supposé et basé sur ça pour nous gagner une relation qui bien, qui bon, qui basé sur l'amour. Eh bien, mon frère, si moi t'apprends pour moi parler de vous-même, il t'apprend moi une éternité, une somme de temps incalculable. Mais tout souvenir ça, yo, sillon ça qui profond qui existe dans moi-même, moi déposer tout souvenir, yo. Et c'est eux-mêmes qui ont prêté l'enquête de tout le monde. À jamais. Ocho frère a toujours aimé. Ou a toujours l'enquête frère. Pour tout temps. Moi, je remercie d'une façon générale prêtre, soeur, tout célébrant, tout le monde qui fait déplacement pour te payer un dernier hommage avec Ocho. Moi, je dis non merci. Ocho, mon frère, bye bye. Bye bye, mon frère. Ou passez à l'Orient éternel, mais tout souvenir là, ou pour aller joindre Saint-Joseph, ensemble avec mon Carmel, l'un de plamé, mon Saint-Sahara, ou Achita. Bye bye, mon frère. Bye bye. Que ton âme repose en paix. Je vais chanter une dernière chanson pour frère nous que nous aimons en pile. Je ne connais pas si je suis capable, mais je connais Ocho là. L'amour Ocho a permis moi capable de chanter. Tu es parti en emportant une part essentielle de moi-même. Que vais-je faire maintenant de nos projets et de nos je t'aime? Et tu me vois perdu, errant. Là au milieu des chrysanthèmes, tu es parti en emportant
essentiel de moi-même. Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. Tu es parti. En emportant l'essentiel de mon existence. Que vais-je faire maintenant de mes journées sans importance? Je n'ai plus rien que seulement une présence dans l'absence. Tu es parti en emportant l'essentiel de mon existence. Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. Tu es parti en me laissant bien plus qu'une immense blessure. Que vais-je faire maintenant de toutes ces journées si dures? Mais tu me pousses et je le sens à inventer ma vie future pour aller encore vers l'avant. Je ferai de mon mieux. Je te l'assure. Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. Donne-nous rendez-vous là-bas sur l'autre rive. Et gardons jusqu'au jour cette lampe allumée. Donne-nous rendez-vous là-bas sur l'autre rive. Dans jusqu'au bout cette lampe allumée. I love you, brother. Moi vraiment en pile. Je t'aime très fort. Pour toi, mon frère. Tout confrère Père,
toutes chers sœurs, toutes frères avec Semio, dans nos clergés paroisses, dans nos tous confrères qui là, présenter sympathie moi, by toute ma famille. J'étais au quai posé. Et c'est pour nous, amis nous, frères nous, cousins nous, Louis Michelet, Émile, reposer en paix. Nous arrivons dans le dernier moment. Avant nous nous séparer avec l'autre. Pour nous rendre frère nous un dernier hommage. Mais quelques timbo, quelques petites anecdotes de Michelet. Il est vrai que à pile monde attendait non au Chomil là, mais par contre côté non au Chomil là sorti. Et ben c'est Septan qui était fort musique, qui était bal, qui était relevé, qui était dit chanter à dit au Chomil, garçon bordel tellement moi j'étais fanatique, c'est depuis là ça non arrêté. Et nous sommes bâillés tout témoignage de Michelet. Et nous songeons ensemble avec tous les camarades, tous les amis de classe, de un événement qui est arrivé dans la vie. C'est ton nez qui était remis bâillé, qui était remis partagé. Et il dit nous, mourir Lima ensemble avec Chanel Lubin, qui était ensemble avec lui. Ben à cette époque, j'aime pas gayoter, te paraît difficile. Laisse ça, il dit non, Moril te gagne 100 piastres. Qui te l'empoche, il t'a serré. Michelet prend 100 piastres, là, il mange avec tout nègre. Laisse ça, c'était gros fête, c'était belle bagaille. Mais je dis, il y a la journée internationale de la danse. Michelet sort un nègre qui te remet danser. Il te dit, il ne peut pas aller sans le pas danser. Alors, on dit merci à tout chant. Pour tes parents, pour te danser, pour te vivre. C'est qualité témoignage ça, c'est qualité famille ça, c'est qualité amis ça, qui est ensemble avec nous. Il a, il fait 67 ans, sous terre, il a travaillé très dur, très dur. Mais je dis, c'est lui-même qui allait. Nous très reconnaissants pour nous dire bon Dieu, merci pour cadeau la vie. Il te mettait dans lui-même, merci. Pour cadeau l'amour, qui te mettait dans lui-même, qui te remet famille, qui te remet tous les amis. Et nous allons dire merci pendant que nous avons chanté. Sous-titrage Société Radio-Canada.
comme un signe qui montrait que nous croyons tout bon vrai. Quand nous avons levé, nous allons arroser ce qu'elle est là avec l'eau bénite en souvenir du baptême. Michelet est entré dans l'église à recevoir le baptême, nous allons arroser ce qu'elle avec l'eau bénite. Et le geste, nous allons faire son geste de foi pour nous montrer respect. Nous gagnons pour la vie, comme la vie au monde, c'est des choses qui sont sacrées. Nous allons encenser en même temps. Saluer au maman notre dame, maman Jésus qui sauve, maman les livres souillés, nous saluer au maman notre dame, maman qui toujours protège ce. Bon Dieu, maître, nous remettons frère nous, Louis Michelet Emile, dit Ochomine, la même. Il était remis dans tout chemin, il était fait sous terre. Quand il a délivré le bas tout mal, il quittait ça, côté tout bagaille, il a eu faim. Et quand il a mené le bon côté, dans la vie côté, il n'y a pas la peine, ni de l'olanger, ni souffrance encore. Mais il n'a qu'à poser là, il n'a qu'à content là. Sors gain ensemble avec tout petit touyo avec l'esprit saint et sans faire une faveur séparé par tout bon serviteur yo pour tout temps sans arrêter. Amen. Nous espérer et nous croire tout le monde qui baptisé dans Jésus et qui cherchait pour un même chemin avec elle sous terre gagner pour lever même Jean Avel. C'est à assurance ça n'a demandé bon Dieu by Louis Michelet Emile la vie qui pas jamais finir la vie papa petite là avec l'Esprit Saint. Amen. Une autre fois encore on a remercié tout confrère yo, remercier clergé paroisse là et puis la nos familles là nous dit nous prend courage. Pas faibli. Merci un peu.
Notre cœur.
Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. Tu es parti en me laissant bien plus qu'une immense blessure. Que vais-je faire maintenant de toutes ces journées si dures? Mais tu me pousses, je le sens. Je ferai de mon mieux, je te l'assure. Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée.